tout marche bien. Est-ce opérationnel? Je pense que oui. Je pense que c'est... Yep. C'est un tout bon, tout propre. Pour continuer l'aventure dans Breath of Fire 3, on se retrouve par contre sur le joueur des Ur. Ce jeu magnétique où Ryu a évolué pour devenir un dragon à part entière. Il est énorme, il est épais. What the... Non, c'est gare. Un puissant guerrier qui nous accompagne. Malheureusement, Ryu est toujours aussi petit. Et quand il le veut, c'est inefficace. Bref. Pendant donc cette absence, j'ai fait une tonne de choses par rapport au maître. Et c'est intéressant, j'ai appris pas mal de choses. Donc, j'ai appris, j'en parlerai au fur et à mesure. Pour l'instant, on va ramener Nina, qui est donc la princesse, au roi, histoire de... bah, voilà. Bref, éventuellement une récompense serait toujours intéressant. Au nord, toujours au nord. What the... Je suis bloqué par un PNJ, j'imagine. Oh putain, c'est pire, c'est un cabot. Un dragon est bloqué par un chien. Oh, faut parler avec elle, j'imagine. Ah... Ouais! Wouah! Elle est revenue, oui. Alors, par rapport au maître, je l'ai trouvé un autre dans la ville de la reine. Une fois que vous avez terminé ce tournoi, j'ai parlé au barman, c'est celui qui est alcoolique. Et dès que vous lui parlez, vous dites, ah ouais, je pourrais vous entraîner, mais il faudrait me faire une preuve. La preuve, c'est accomplir 30 combats sans se reposer entre deux. Donc sans aller à l'hôtel ou sans faire de feu de camp. Donc, une fois que vous êtes fait, vous allez le voir, et il vous... Bah, il vous permet de voir ses pouvoirs de maître. En l'occurrence, j'ai filé pour Gar. Maintenant, par rapport aux stats que vos héros possèdent, par rapport à ses maîtres, et ça m'améliore, faut maintenant vous monter de niveau. Pourquoi Ryu est du coup aussi intelligent au début de game? Parce que moi, j'ai mis le Migas, qui est donc un maître d'intelligence. Donc, c'est pour ça qu'il est aussi puissant en magie, et aussi faible au reste. Alors en revanche, pour Bunyan, le forestier, j'ai genre plus 4 de dégâts en plus de puissance par niveau. Donc maintenant, il va devenir beaucoup plus puissant, mais il va en l'occurrence obtenir moins de points de vie et moins de points de mana, entre guillemets, par niveau. Donc, ouais. Nina a fini entièrement du Handal, donc je l'ai emmené vers le mage, justement, parce que les bonus d'intelligence seront préférables pour elle. Je vous laisse lire pendant que moi j'explique un petit peu. Vous pouvez faire les deux, j'en suis convaincu que vous pouvez le faire. Et le nouveau maître, donc que j'ai débloqué pour Gar, me donne 4 points de vie et 4 points de défense par Neo. Donc pendant ce temps-là, Gar va être relativement tanky, ce qui est plutôt bon au final. En revanche, il perd d'autres points en d'autres choses, donc ouais, faut prendre ce qu'il faut au bon moment. Maintenant, je me suis trompé. S'arrêter au milieu d'apprentissage, ça ne reset pas tout. Admettons que le maître propose 3 skills, obtenables de 2 par tranche de 2 niveaux. Donc 2, 4, 6. Je passe 2 niveaux. J'ai un pouvoir. Je passe niveau 3. J'en ai pas, bien sûr, il faut encore un niveau pour être niveau 4. Je m'arrête au niveau 3. Ça revient au niveau 2. Donc si je prends un autre héros, pour il passe 2 niveaux, je pourrais apprendre le skill suivant, ça ne redémarre pas du début. Donc vous pouvez vous arrêter à tout moment, ce que j'aurais dû faire du coup. Pour l'instant, commencer du coup avec la puissance pour Ryu, repasser, switcher du coup mon intelligence avec le maître sur Nina, passer à mon 2 niveau avec elle, et me dire que c'est fini. Donc, ouais, c'est pas dégueulasse. Je pense que je vais conserver le maître pour Momo, car c'est un boost à chaque fois de précision. Et vu qu'elle a une précision dégueulasse, ça me fait chier. Donc, je pense que je vais le laisser. Mais sinon, oui, j'aurais peut-être pu mettre aussi Gar en puissance ou en précision, parce que la précision n'est pas très bonne apparemment, donc... On verra que temps on a beaucoup appris en si peu de temps. J'ai également aussi un maître pour Peko, vous vous souvenez, Yggdrasil, l'arbre. Je lui ai parlé avec lui, l'autre arbre. Et apparemment l'arbre était un peu mal en point, donc j'ai dû lui filer un de mes objets que j'avais pas en fait, je l'avais plus. L'objet pour régénérer les points de mana. Je l'ai craqué pour la reine, parce que sinon j'aurais perdu, je ne savais pas. Et donc, pour le ressonner, il leur faut une autre. Malheureusement, moi, je ne savais pas, donc j'ai dû voir où est-ce que je pouvais en avoir d'autres. Et je l'ai récupéré, c'est bon. Gar n'a aucun pouvoir particulier dans le map monde. En revanche, Peko, oui, il peut, comme le kick de Typo en début de game, il peut fracasser les... Ok, bon, c'est fini, bon.
il peut fracasser les arbres accompagnés. Et quand je me suis entraîné à l'endroit où je l'ai fait, j'ai récupéré une joyau de fleurs, un truc du genre. Je sais pas à quoi ils servent, mais bon bah. Sur le guide, parce que j'ai vu que c'était marqué ici, c'est marqué ne pas le vendre, ça sera utile plus tard. À quel point? J'en sais rien, comme ça on va quand même le conserver. Eh oui, Nina, maintenant, on a plus besoin de toi. On a fini ta quête. Ouais, tu es petite. Des soucis, des problèmes. Toujours. What the? Les ennuis, les problèmes. Que se passe-t-il? Fouillons. C'est un château, ça peut être riche en stuff ou en argent aussi, c'est pas si mal. Le Costerer. Sans le brûler, c'est une cheminée. Bravo, perplexe. On peut pas fouiller cette horreur. Non. Allons à la porte avant. En revanche, je connais pas cet endroit, donc explorer cette map va être. Oh, peut-être chiant. Le balcon. Balcon. Un coffre. Oh, encore une porte, hein. Waouh. Que dalle. Peut-être plus tard, t'as qu'il y a un truc caché derrière la box. C'est possible pour l'instant. Non, alors. On va se frayer un chemin. En dehors, et pour l'instant, on va devoir se fracasser la tête pour se repérer dans ces lieux qui, j'espère, ne sont pas si énormes. C'est un château, mais c'est un château en 2D. Donc, enfin, semi-2D. Entendu un cri, toi? Oui. La grande salle. Je ne sais pas. Oh, je sens que c'est grand. Domestique. Fouillant. Des bijoux. De la richesse. D'autres bijoux, toujours plus nombreux. Rien. Oui, je sais, excuse-moi. Tu as cassé une assiette, tu vas mourir pour ça. Waouh, c'est quoi ce tange? C'est quoi cette horreur? C'est étrange. Ok, donc le tout bruit, c'est sûrement toi qui a pété l'assiette. On s'est convaincu. Vraiment. Pas de raison. Eh, c'est la créature de Momo. Ouais, c'est Moji. Avant d'aller, on va explorer parce que. On va piller quand même, je veux dire. Tout ce qu'elle prend sur l'inventaire de nos personnages à nous, donc ça vaut le coup, sauf s'il y a absolument rien. Toujours plus haut, les profondeurs, pas très lugubre. Du château, la guerre, l'argent. Sans progrès, un quoi? Un combat? Contre qui? Contre quoi? Wolverine? Oh putain! Il y a un faux air, c'est vrai. On les a tués. Un enchanteur, Wolverine, Professeur X, mouvement du vent, pour la météo, peut-être pas, non, j'ai encore cette putain d'allergie, il a fait très chaud aujourd'hui, donc malheureusement il faut mettre un t-shirt parce que la politique de Stitch c'est pas à poil, ce qui est compréhensible, mais on étouffe, voler hein, mais des bouquins, bon intéressant. Vraiment sûr, on va la comprendre en jouant, en terrassant l'adversaire, pas en lisant des bouquins. Oh, oh, non, c'est bon, on peut y aller. La salle du trône, le boucher. Ok. Qu'as-tu vu? Un petit truc. Que fait la police? Ouvre. Oh, mais des cams. Illustre son son armure. Puis-je aller scanner ici? Yes, je peux, mais y'a rien, bien sûr. Bon. À mon avis, c'est à gauche. Là, on l'a vu se diriger, mais pour l'instant. Encore un petit tour, même si je pense qu'il y a que d'aller ici. C'est l'entrée principale et. Allez, très très. Waouh, un chevalier d'or! Non, c'est pas grave.
Je vais éternuer, je le sens. Allons à droite. On peut descendre. Est-ce que je descends à la prison? J'ai bien un coffre que je vais plus prendre au début de game. Pas la prison, ça. C'est beaucoup de livres, excellent. Rien. Ok. Où est-ce que je vais, là? Oh, tu vends? Ok. En revanche, je vais quand même voir ça. Ah! Inutile! Voilà, ai-je accès à... Oh. Ah! Yeah, un singular, ok, pourquoi pas. De ta faute! Pas passé? Il y avait un coffre là-bas, je me... Ouais! Non, je peux l'avoir, pas encore. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard. On verra. C'est un coffre. Généralement, ils sont là pour vous dire que vous pouvez y retourner. Peut-être si vous y pensez. J'ai pas oublié, moi. Oh non. Et par là. Qu'y a-t-il? Où la cuisine? Du poule côte? Non. Rien et... Ah. Medicam. Ok, pour éviter des transformations à la con qu'on pourrait subir quand même. Transformation. Des rats à ta cuisine, mec. L'homme chat. Non, un rat déjà ici. Oh. C'est ça qui mange la garde du rat. Mais. Putain de poulet. Cet endroit a l'air un peu inutile, mais on ne sait jamais. Les alcooliques. On ne sait jamais. Putain, où est-ce que je descends comme ça? Hic. Ça pourrait arriver que je regarde à côté, mais... Allons voir. On descend, mais... Oh, quelle est cette porte bizarre? Qu'est-ce qui est là? Confiné. Ouais, ça rend plus tard, c'est sûr. Un appareil. On peut pas activer ça. Non, on sait jamais, ça peut être comme dans Tintin, qui est un truc pour passer derrière. Mais je pense que s'il y avait un truc, on l'aurait vu. Évitons les poulets, qui vont mourir bientôt, de toute façon. T'es un marchand, toi, non? Enrichi en quoi? En mutant. J'ai terrassé les céréales mutants. Les oignons. Les épéistes. Ils s'entraînent. Attaquer l'invisible. Oh, est-ce un maître? C'est possible. Ah ah! Il est un maître. Apparemment, il enseigne que dalle. Ou alors, il faut avoir un groupe complet, pas uniquement Yuna. Un mystère. Ok, bon. Trouvons à présent là où nous devons aller. C'est... Pas ici, c'est donc... Je suis bloqué par la scène par terre. Un scène à ramasse. Les incompétents, serveuses. Non, domestique. Domestique. Violence. Bon, l'autre des plantes. Rien. Ah, c'est un rechaudé plutôt riche. Oh, une pièce. Tu dors ou t'es mort? Oh, c'est sa mère. Oh. Ouais, Shella. Le trésor, j'ai commencé déjà à piller le trésor. T'inquiète pas. Bon, t'as l'air de passer, toi? C'est moi la princesse! Là, le roi. Mais où est cette saloperie de. De robot? Rien, et je pille la chambre. Une plante. De la merde! Non, impossible. C'est qui, toi? Chevalier d'or. Bon,
J'ai fait un tour complet. On pourra savoir où ils sont passés. En parlant au PNJ, certes. Comme là. J'ai vu passer par ici. Toi peut-être ? Rien vu. Donc. Peut-être planqué dans un angle avec leur caméra à la con. C'est possible. Elle l'a vu dans le coin. Non. Ouais. Passer là. Compliqué cette histoire. J'ai pas le temps de jouer. Oui. Bravo. Je vais passer par ici, hein. T'as rien vu, vieil homme ? Ouais, je veux savoir. Parfait. Le mitraille. Est-on jamais caché quelque part ? Non. On passait par là définitivement. Si lui l'a pas vu à droite, il doit être en haut quelque part. Dans la chambre de sa mère. Oh, quoique. Il y a un truc passé derrière une colonne. Les colonnes de Nosgoth. Solar River. Tu peux sortir? Bien sûr que non. On va pas rentrer, on va sortir nous. C'est un truc chiant à chercher cette histoire. Pas ici, entre les chaises. Les petits et rouges. Il peut être passé par ici. Oh, ça va être chiant. En tout cas, il n'y a rien. Je pourrais peut-être revenir dans ma chambre. Peut-être que. Il est passé faire le tour. S'il avait passé ici. Non ? C'est possible également, ça. Elle l'aura peut-être vu, elle, dessus. Peut-être là-bas, maintenant que le script a été activé. Si je trouve pas, j'irai voir, parce que... Ah, c'est inutile, ça me paraît vraiment bizarre. Bordel ! Où est cette saloperie ? Ça peut être n'importe où. C'est une perte de temps, je vous le dis. La logique, pas toujours bonne. J'ai même exploré les catacombes au cas où si c'était dedans. J'ai vu un truc, hein. Seigneur. Pas dans ta botte ? On ne voit pas, je vais voir mon guide. Parce que merde. Stupide. Où est-il ? Ouais.
What? Mais ça c'est bizarre, j'aurais jamais pensé à faire ça. Jamais! Alors, on va y aller, apparemment. T'es bien par ici. Voilà la cuisine. Dans quel but? T'es ici. Alors, il faut parler à la souris. Oui, absolument. Non? Peut-être ailleurs, peut-être. Ah! Il faut répondre oui! C'est super intelligent! Elle donne du fromage qu'il faut faire je sais plus quoi avec. Oh, s'il faut filer ça. Moi aussi était ici. Ah. Ouais, ils vont le découper. Je veux dire, comment vous pouvez... J'ai check au cas où avec la caméra et l'angle. Mais non! Ils l'ont vu passer, non? Non. C'est pas grave. Alors... Apparemment, il faut retourner dans notre chambre, apparemment. Ce con est passé au balcon. D'ailleurs, c'est totalement logique. Ouais. Ça défie le temps et l'espace. Pas des pigeons. Elle se suicider. Ah, maintenant, ils sont deux à se suicider. Comment ça, oui? Le robot est flippant! Bon, elle est pas morte, c'est déjà ça. On se brouille relativement. Ok. Monsieur est mort! Vive monsieur! Les capoutes, down for the count. Merde, où est Momo? Va faire la gueule. Ouais. Faut la réparer. Un peu mieux. Non, moi aussi, a succombé à cette blessure, à cette pulsion. Elle parle pas. C'est un robot qui ne parle pas. C'est Moshi. Cassé. Oh. Elles vont opérer. Ouais. Comment tu peux le savoir si tu es avec toi que depuis pas longtemps?
Quoi donc? Excellent! Des révélations! Oh, c'est pas très bien, je crois. Bah oui, je suis mort plusieurs fois déjà, mais... T'inquiète pas, je suis de moitié mortel, donc... Ouais. Ouh, il faut le monde. On va aller à l'expédition plutôt dangereuse, hein. Cela va de soi. Oui, enfin, ça on verra. Allez où? Avec nous? Il ne peut pas. Je sais, j'ai déjà dit ça. Les gamins se répètent. Et tout le monde s'en fout. Viens avec nous. Ok, je vais faire attention au poste de garde, parce que le poste de garde, il... Bah, il voulait la reconnaître, donc il faut forcément un stratagème pour pouvoir passer cette étape. J'étais voir la forêt, mais je peux pas... Peku, ne démonte pas les plantes, donc d'avoir un truc plus tard pour le faire, mais pour l'instant, non. Mon groupe... Est-ce que je prends garde avec moi? Si je prends en gare et Ryu, on est tous les deux très 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 lents. Donc, j'aimerais bien avoir un passage beaucoup plus rapide aussi, mais... Il va falloir attendre, je pense. On trouve le bon maître, qui m'augmente à beaucoup la rapidité. À ce train-là, je pourrais le faire, mais pour l'instant, on va éviter parce que... Ouais, on va garder ça. Si on voit que la magie est inefficace, on prendra gare, dans ce cas, ce sera utile. Allons ici, au contrôle. Oh, je sais, pris la griffe de glace, enfin, dragon de glace, donc, elle peut servir, peut-être. D'accord, c'était plutôt rapide. Quoi donc? Ouais. Laissez passer! Hein? Personne! Ça a marché ça? Comment c'est possible? Oui, c'est un peu ça. Ouais. Je pense que Gare a utilisé une magie. Je suis pas sûr, mais possible. Oh. Ouais, c'est vrai. Mais non. Pourquoi je ferais ça? N'est pas grave. C'est possible. Tu apprends déjà pas mal, mais tu pourras apprendre plus. Non, je dois savoir mon destin. Un nouveau continent s'ouvre à nous.
Oh, il y a une... un péché ici. Ça pourrait servir. Encore des fleurs, pourquoi faire? Ouh, ça pourrait être un point de téléportation. Ça pourrait servir plus tard, peut-être, non? C'est possible, ce serait bien en tout cas. Alors. Rien de spécial, peut-être ça, peut-être. Un point d'interrogation. Yep, allons-y. On peut être bien. Oh oh, je veux ça. Y'a autre chose peut-être? Nope. Une autre gêne de dragon. C'est quoi? Le tonnerre. J'ai le feu, la glace et la foudre. C'est pas mal. Il manquera la terre peut-être? C'est pas sûr. Allons-y. Qu'y a-t-il de beau là-dedans? Personne à part. Une armoire, ouvre-le, l'armoirée. Oui, c'était sûr qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Une épine de vie, plus de points de vie peut me servir. Je le prendrai quand il y aurait besoin d'aller dans la terre. Pour l'instant, non. Bon bah, ton à la con était finalement assez rentable et utile. Je suis ravi. Tu peux aller par ici? Non, pas au port, hein. Peut-être plus tard qu'un bateau, mais pour l'instant, nous sommes bloqués à cet endroit. Explorons le coin, tombons pas sur de points d'interrogation cachés. Oh, ah non, c'est ça, ok. On peut pêcher aussi ici. Il y a une grande ville, hein. Oh, il y a un truc là. Ok. Allons voir. Qu'est-ce de bien intéressant dans le coin? Deux trucs de pêche, hein. Il devait y en avoir un pour acheter du stuff. J'irai sûrement faire ça aussi, mais pas maintenant, parce que j'ai commencé sûrement hors screen. Ça passe mieux. Fishman. Ouais. Tu es fils de poisson. Tu parles de quoi? De la pêche? Est-ce que la pêche c'est bien? C'est pas trop dégueulasse. On ôte la vie pour en nourrir d'autres. Si je dis oui, est-ce qu'il va mal le prendre? Je pense que non. Je pense que ce type, il a dit des louanges par rapport à ça. Genre, vous sentez la vie que vous capturez, comment elle s'enroule autour de... je pense que c'est bon. De toute façon, ça va pas changer grand-chose à mon avis. Oh, on peut... Ouais, mais ça par contre c'est chiant. Pour se connaître les stats des maîtres que vous obtenez, il faut pour cela aller au camp, donc sur la map monde, et bah, savoir ce qu'ils peuvent offrir comme chose. En l'occurrence, je ne sais pas... Ouais, regardez la force qu'elle a, que j'ai par rapport à Nina, alors qu'elle c'est un mage, c'est justement lié à Migas que j'ai fait avant, donc en tant que Bunyan j'aurais beaucoup de force. Ce qui m'intéresse. Non, je sais pas. Je vois ce qu'il fait celui-là. Autant de, pour vous le dire, si ça vous intéresse. Il est là. Il va y avoir. Point de vie plus 4. Point d'énergie plus 3. Défense, puissance, agilité et intelligence moins 2. Enfin, moins 1 à power, défense, agilité. Ce serait bien pour les points d'énergie et les points de vie aussi. Mais je perds un peu dans toutes mes stats. Je pourrais peut-être le prendre après que j'ai fini Bunyan.
Il y a 10 il y a 5 spells pour Banyan par tranche de 2 niveaux. Donc à mon avis ça sera niveau 10. Donc je suis niveau 16, niveau 26, je pourrais sûrement me barrer et prendre ce mec là pour les points qu'il me reste. Ça a pas l'air dégueulasse, donc je me dis que ouais. Les points intelligents, je paierai avec ce mec là, donc ça le fera. Je perds un peu d'agilité, un peu du reste, que j'aurai avec autre chose. Ah, c'est compliqué, mais... on ne sait pas encore. Alors... qu'y a-t-il de beau bien plus loin? Oh, il y a une... le Mont Zublo, un volcan! Avant d'y aller, ça m'a l'air d'être la suite. Je vais d'abord aller là. Rapal! Rien d'autre, hein. Ok. On s'en prend le bateau pour aller là-bas, à mon avis. Donc, ça va être un port. Donc, ouais, y a un pont. Il y a un quai. Donc, c'est un quai, c'est qu'il y a un bateau. Ok. Tape numéro 1. Explorer cette ville. Ah, musique étrange. Mais quoi, c'est un robot, Space? Pas de bateau. Hein. Qu'est-ce qui me bloque? Une cache! D'accord. C'est quoi cette horreur? Un rappel, rappel! Dégueulasse! Il y a des pinces-oreilles. Ouh. Je suis drôlement coloré. Ok. Drôlement inutile aussi. Ouh, pêcheur, peut-être qu'il peut m'apprendre des choses. Je suis pas sûr. Je ne sais pas. Professeur Globe. C'est un in pour dormir. Chaton. Dara. Oh, il y a des... sont en armure, enfin... équipé. La guilde. Ok, la Sinkar. Le gros baraquet ici. Sûrement. D'accord. Qui est ta fille? Et toi? Non, c'est du rhum. La fille ne boit pas de rhum. Ah ah! Je pille! Je loot! Menekam. Ça jamais. Retour du bateau. Trouvons sa fille. Ce n'est pas le barbu, je ne pense pas. De notre quai, j'imagine. Ouais, allons-y. Cela n'a mûri, ce serait pas mal pour acheter du stoff. Combien ça coûte? 50. Que dalle. On va attendre, c'est pas si urgent. On peut aller là-dedans? Je ne pense pas. Nope. Descendons cette merde. Cette ville est un peu grande. Armurerie, le stuff, les armes. Oh, deux. Oui, il faut ton âme. Non. Esprit. On prend deux. J'en ai pas, je joue correctement, donc... différents appâts sont parfois utiles. Parfois. Toi là. Non, je voulais juste parler à ce mec-là, c'est pas grave. Puis après tout. Acheter. Une griffe. Oh, pour écho, sûrement. Prendre un bouclier, hein. Là, j'ai aucun déficit par rapport à ça, donc. Et ça, oui, mais bon. Vas-y. Ah.
Un autre. S'il y avait une lance. Un peu quelques ressources, mais... pas si grave. Rien pour moi toujours, hein. Et puis l'une. Ouais, l'agilité, vraiment, ça me fait des défauts, mais... que voulez-vous? C'est comme ça. Mais... non, c'est les piqûres! Prudence, my ass! Il peut rien voler dans cette maison? Non. Maintenant, ça c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça encore. Le transport de quoi? Ok, pour traverser. Bon, trouvons sa fille! Sa pipi. Oula, de quoi cette horreur? Un démon. Oh, fallait aller à droite. Peut-être. Ah, on verra plus tard. Putain, tu es trop gros, gars, tu passes même pas. Ok. Elles sont moi ici, c'est un bateau. Bon, je vous dis que. C'est ici. Mais qu'est-ce que tu fous dehors? Bah ok, non mais, dis donc, la logique dans ce jeu. Alors, trouver une femme. Une femme avec un temps. Un ton particulier, pas un temps. Une figure majestueuse. Pas toi. Non plus. Pas assez majestueux. Éventuellement toi, ouais. Impossible. Ouais. De toi. Bon. Oh, salut. C'est découverte, je dirais oui et non. J'y ai joué il y a beaucoup d'années. Malheureusement, je n'étais pas très bon parce que j'ai appris comment le jeu fonctionnait. Très, voire même beaucoup trop tard. Donc au final, maintenant, j'apprends au fur et à mesure ce que j'avais pas découvert à l'époque. Donc, découverte, plus ou moins. C'est pas comme, par exemple, quand je ferai avec un profil. Celui-là, je l'ai torché de différentes manières, donc je connais beaucoup. Mais celui-ci, j'ai fait qu'une seule fois. Donc, et j'ai mal fait, en plus. Donc, maintenant, je m'en tire. Je galère toujours autant, mais je me dis que je m'améliore et je suis devenu plus intelligent avec le temps, j'espère. Sinon... ah, j'ai arrêté quelque chose. C'est une vengeance sur ce jeu. Une vengeance. Oh non, je crois que c'est ce con qu'il faut entraîner pour... je crois que c'est super chiant. Je crois que c'est vraiment emmerdant. Donc, je m'en souviens. Et malheureusement, ça c'est une mauvaise nouvelle. Ouh, elle aurait fini, hein. Ce jeu est excellent, par contre. C'est... il est cassé dans la rubrique RPG classique par le système de combat et compagnie. C'est vrai, je suis d'accord. Par contre, l'aspect de pouvoir capturer les sorts adverses, malheureusement pas tous, et l'aspect technique lié aux dragons, combinaisons, ce genre de choses, est plutôt bien pensé et je trouve ça plutôt génial dans le contexte. Donc, même si le principe est plutôt simple, au final... sa particularité en fait une plus grande force, donc ce jeu a beaucoup marché à l'époque. Maintenant, la raison, je la comprends. À l'époque, non. J'ai pigé ça, comme ce système-là, arrivé à l'avant-dernier donjon du jeu. Donc je suis resté quasiment sans skill tout le jeu, puisqu'au final, les maîtres, pareil, je comprenais que dalle. Alors que sans ça, sans les maîtres, sans les pouvoirs, sans les stats, vous savez rien. Ce qui m'est arrivé en début de partie, à l'épisode d'hier, du moins aujourd'hui, là quand j'ai commencé tout à l'heure, j'ai compris comment tout fonctionnait au niveau des maîtres. Ah, Tales of, j'en ferai sûrement un de ces quatre, enfin pas un de ces quatre, mais j'en ferai un jour quoi. J'avais commencé à en faire un, malheureusement j'ai pas terminé, j'ai fait celui sur Game Boy Advance,
mais j'ai pas fait celui de PS1. J'ai commencé à le faire, je me suis arrêté, je ne sais plus quelle divinité ou à capturer. Je crois que j'avais fait Ondine, Gnome, et je me suis arrêté à l'autre. J'ai pas fini. Donc celui-ci, je me vengerai aussi parce que ça avait l'air. Bah, c'est pas à l'air, c'est bien. Et je boufferai un de ces quatre, c'est sûr. Non, n'épouse pas Zig. Tu es faible, pathétique. Va falloir que je t'entraîne. Ouais, des souvenirs. Oui, j'ai lu quelque chose par rapport à ça. Si vous arrivez à... Enfin, je sais pas si vous savez ça, mais j'ai vu que si je l'ultra combo avec le skill du bûcheron en tant que maître, que je n'ai pas encore d'ailleurs, et qu'on arrive à l'OS en un coup, quand il perdra, il sera quand même reconnaissant, qu'il me filera le pass pour pouvoir voyager en bateau, et il me donne une grosse épée, et aussi une grosse armure. Mais je ne l'ai pas essayé, et je pense pas que je pourrais le faire maintenant aussi. Donc, mais c'est bien de se souvenir aussi. Ça va différentes choses. Alors que je suis nul, c'est intéressant. Avoir du sang que je ne pourrais jamais avoir, ce qui est triste. Du coup, j'ai rien suivi l'histoire. Oui, faut que je... Tout ça, je m'en fous. Je veux juste voyager, moi. Ouais, j'ai pas le choix, j'imagine. Malheureusement, pour entraîner cet imbécile, il va falloir, je crois, attaquer, le soigner, moi, que je prenne des coups, que je me défende. C'est délicat. C'est long aussi, parce que... Il y a moyen de tricher, il me semble, mais je me souviens plus comment ça marche. C'est par rapport au singe. Je crois que le singe est l'arbitre. Et de temps en temps, il regarde ailleurs où je peux le heal pendant ce temps-là. Je sais plus, ça fait tellement longtemps, mais... Je sens que c'est ça. Une amitié entre deux personnes ne dure jamais très longtemps, généralement ça tourne au saxe. Voilà. Ah, malheureusement, il va falloir s'occuper de cet imbécile et de le stuffer correctement. Par contre, j'ai pas de clé mort, je crois pas, j'en ai une que j'ai eue et j'ai rien d'autre. Je pourrais acheter une autre arme, c'est clair, mais. On va la faire la loyale, la méthode chiante. Pour que ceux qui ne connaissent pas ce jeu découvrent la peine qu'on peut endurer en faisant ce jeu. Je veux savoir qui est ce gros tas. Le meilleur marin pour porter des... Un t-shirt rayé, déjà, faut avoir des goûts de chiottes. C'est mon point de vue, ça n'a rien que moi. Ah oui, il a dû trébucher sur une marche ou sur un de ces créatures qui traînent sur la berge. Une espèce de gros pince-oreille géant sur la... qui traîne au port, c'est dégueulasse, je sais pas ce qu'ils font ici, mais... Maître de la guilde... Putain, c'est un quai avec un seul bateau! Il doit être vraiment pauvre, ce genre! Je veux savoir... Non! Oui, faut que je parle à cette fifi. Où est-elle? Par là, peut-être? Non. Il m'indique pas où c'est à chaque fois. Regardez ces cons, oh, comment ils bug! Ils veulent me rattraper, ils ne peuvent pas! Ouais, c'est flippant, mais. Ok, peut-être? Oh, le phare! J'aurais dû le côté de la, du monde, il y avait une espèce de volcan, ça m'a l'air plus intéressant que cette histoire d'amour là. On va pas payer pour ça, d'ailleurs on ne paye pas pour ça, peu importe. Ah bah, voilà là où est-ce qu'il est. Oui, il est faible et repoussant, je sais, mais... Il va falloir l'aider. Tant de choses. Non, c'est en 2D, on peut gérer. J'ai parlé à ton père, mais il a te parler avant, c'est stupide. Non! Emmène-moi dans ton pays magique. Oui, je veux ton bateau. Oh, comment, j'en ai rien à foutre. Juste partir en bateau, hein. Du bateau, voilà. Bah, c'est pas, on est pas dans la merde. Mais Sizig est le meilleur marin.
Qui pilote ce bateau là, finalement? Je suis largué. Je veux dire, c'est aucun bateau, ton meilleur, le meilleur, me le laisser au port. Réparer le phare. Oh, pour savoir où est-ce qu'il est? Ouais, peut-être. Parle-nous. Ah, t'as un problème de personnalité, toi, hein? Ah, pas le choix, parce que au cas où, c'est scripté. Une autre fois, c'est scripté, je fais bloquer la mur invisible. Quelqu'un de sûr qui t'épaule. Ouais, pas comme ton petit copain. Parle-moi de rien. Même si je dis de rien, à ce moment me parler aussi, j'en suis certain. Mais ça marche pas de souci. Généralement, je parle beaucoup, donc les gens aiment bien mettre ça en fond, histoire d'avoir de pas sentir seul quand ils font genre de bosser, étudier, ce genre de choses. Surtout quand c'est un jeu qu'on connaît, on sait où ça se passe, et avec le fait de parler, on saura généralement où j'en suis, donc pas de soucis. J'ai fait lequel? Celui-ci? Je crois que oui. Par cœur celui-ci? Non, c'est vrai que je l'ai pas par cœur celui-ci. Donc, ouais, semi-découverte. Et des souvenirs perdus de droite à gauche. Ok, donc parler à son père, l'alcoolique, que j'ai parlé avant, que je devais parler avant, c'est tout à fait logique. Alors. Et on apparaît ici, qui est là, on rentre au début du niveau. C'est surprenant la physique de ce jeu. Est inhabituel. Alors, où est l'auberge des poivrons? C'est Lynn? Et je crois que c'est Lynn. Ouais, faut bien sortir. On se repère comme on peut. On n'a pas de boussole pour se repérer. Même si c'est parfait la boussole, ça sert absolument à rien. Celle de Grandia n'a pas beaucoup aidé, hein. C'est clair que... Alors... Tu es con ou... Une question, ça me prend pas mal. Non. On va prendre la route. Des problèmes, toujours. Le volcan, oui. Oh, y a pas une crête. Je me souviens de deux boss extrêmement chiants dans le jeu. Je crois qu'il y en a un dans le volcan. Et un plus tard. Si c'est celui-ci. Oh. Oh. Je la sens la douleur, je la sens. Là, bloquer la route. Et pas de bol. Je dois aller à l'est, j'ai pas le choix. Bon bah, ok. Mais vous ne pourrez pas continuer une fois là-bas. Ok, donc j'y vais là-bas et je suis foutu. Bon bah, ok, bon bah, au moins on va pouvoir se friter. Putain, je suis bloqué par un rat. Le rat a une Xbox monumentale. Il me domine totalement. Il est plus fort que Gar, j'en suis certain. Plus fort que ce gros sac. Il n'y a plus d'espoir. Et maintenant j'en trouve... Oh. Je veux me tirer d'ici. Oh, je peux pas, je suis arrivé au port. Faut que je sorte de l'autre côté, qui en fait la sortie. La logique. La logique. Ouais, par ici, vas-y. La musique est joyeuse, je me demande bien pourquoi. Je ne suis pas. Allez. Pourquoi j'ai garde dans mon équipe? Je crois que j'ai pris Momo. Fous dans ma team, gars, quoi. Et Momo, je m'en... Oh, c'est vrai, c'est sur la map, moi, qu'on peut changer l'équipier. Logique aussi, tiens. Donc là, je suis dehors, théoriquement. Ok. Ouh. Un peu de logique. Fait pas mal, tout de même. Echo, tu es useless. Je crois qu'actuellement, t'es pas si dégueulasse que ça, c'est juste... Je crois qu'il faut que je joue avec toi à un moment donné dans l'aventure. Je n'ai pas le choix. Enfin, je suis sur mon niveau à un moment donné parce que sinon, je m'en serais comme à l'époque dans la merde. Et le boss qu'il avait en plus est extrêmement chiant. Alors, tous les boss sont chiants dans ce jeu, j'ai l'impression. Si vous vous faire chier, ils font AOE, tour suivant, AOE, tour suivant, vous êtes mort. C'est un peu ça. Le combat contre les deux licornes à la con. J'ai failli crever en 3 tours parce que ce con ils font genre putain de lumière. Deuxième tour, putain de lumière. Troisième tour, je me suis soigné avant, donc j'ai eu du cul. Mais... Ouais... Le petit fumier...
Le rien est scripté à l'avance, on peut même pas les gruger à ce niveau-là. Alors dans le Grandia, par exemple, on peut. On sait qu'à l'avance, ils vont faire par un contrôlement. Du coup, ah non, je veux pas, je cancel. Voilà, ça c'est la stratégie. Tour par tour, je peux... Pas tour par tour, mais je peux empêcher que les malheurs arrivent. Dans ce jeu-là, non. Même si vous dites, ok, je lance ça pour empêcher que ça arrive. Un coup, il va le faire, un coup, non. Donc, sachant que vous pouvez, je pense, prévoir, c'est le premier coup. Des boss, finalement, ils font la même chose à chaque fois, donc... Et douloureux, mais bon. Oui, sois amoureux, tu es une fille, tu dois tout savoir à ce niveau-là, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux te tuer, je suis un tueur. Oui, bravo, cette rhétorique est magnifique, Nina. Voilà, je me dis que le garde doit tellement se faire chier à écouter cette histoire. Ouais. Oh, attends, je vais les Cupide. Cupidon. Non, ça, en tout cas, faut pas être trop cupide. Cupidon. Et on dort. Elle aime le sol alors qu'on veut plus dormir en ville. Voilà pourquoi on dort pas en ville. Jamais. Sauf quand on crève. C'est normal, sinon on perd de la vie, comme dans Dark Souls. Un concept plutôt intéressant au final. C'est pas mal. Bon, allons. Allons taper de l'adversaire, voir quel bois on va chauffer ici. Donc, ok, la route est bien coupée par rapport à la lave. Je vois. On va quand même y aller. Je pourrais faire une grosse saga, mais faire un saga dans ce jeu, c'est chiant. Il faut camper, enregistrer, c'est long. Je fais une save state, pas parce que je se triche, parce que c'est un gain de temps pour vous, surtout. Alors, mon Zublo. Allons-y, ce mot a un nom dégueulasse, mais peu importe. J'ai oublié de changer ma partie. C'est pas grave. Gare est très bien. J'imagine, donc... Non, j'ai mon mot maintenant. Je comprends rien à ce jeu, je change ma team tout seul. Si je crève, moi, je vous dirais que c'est la faute du jeu. Première précaution. Droite ou tout droit? Allons à droite, parfait, les secrets qui... Ah, un coffre, magnifique. Les protéines, je sais pas c'est quoi cette horreur, mais tiens... Pendant que j'y penche, je vais mes objets... permanents, moi. Alors... Où est-ce que c'est... Du fromage... Protéines... La défense d'un joueur. Je ne sais pas avec qui je jouerai de manière finale. C'est ça qui est dommage. Quand on connaît pas trop le jeu, on joue un peu avec tout le monde pour savoir comment ça fonctionne. Ryu sera une valeur sûre, je pense à ma team. Ouais, de toute façon... Pour l'instant, tu viens en première ligne. Donc je me dis que... Si tu prends des coups, c'est toi qui vas les prendre. Avec 20% de dégâts en plus, 50%. Je ne sais plus, mais tu vas prendre très cher de toute façon. Mais tu vas aussi infliger très cher. Si tu rates pas. Un Momo! Ah, c'était cool! Ta spécialité! Oh, il y a des gros sacs devant. C'est quoi? Transport. Ok, c'est totalement inutile. Pourquoi je ne pourrais pas emprunter? Oh. Ouais. On va dire ça comme ça. Bon, entrons dans le monde des bulles. Est-ce que je peux rentrer au moins ici? C'est un gros doute. Et vous avez... Waouh, je crois que j'étais ici pour absolument que dalle. Je peux pas rentrer ici. Tu pourras le faire peut-être. Qui peut déchiffrer les runes? Momo? Trop difficile! Ouh, draconique peut-être? Ça pourrait être... pour gars. Peut-être. On va devoir aller jeter un coup d'œil. Avec Gare du désert. Non, pas celui-ci. Malheureusement, pour changer la team, il va falloir aller dehors, changer la team. Enregistrer, la remettre dedans, re-rentrer, revérifier si ça marche pas par demi-tour, perdre du temps pour absolument que dalle. Mais bon, test. Qui va-je remplacer? Momo ou Nina? Oh. Zao. Je sais pas ce qu'il y a pour l'instant, on va venir sur la manière brute. On verra. On peut aller, aller par ici, sinon faut commencer à entraîner l'autre Gozio et j'ai pas vraiment envie, mais... Ah. Je ferai un gros montage sur YouTube, je le sens, moi. Alors...
Insérons gare dans le bitonio. Est-ce que ça marche? Trop difficile, mon cul! C'est tous des inaptes, ce travail! Mais qui pourrait déchiffrer, du coup? Sentiment bizarre à la regarder. Où est-ce que j'ai pu voir ça, moi? Il y avait une drôle de pierre dans la crypte, jetons Nina. Ça m'aide pas des masses. J'ai pas un objet spécial, unique, pour activer cette merde. Le doute m'habite. Quand je dis m'habite, c'est tout bien, tout honneur. Ah. Non, mes couilles, il va falloir aider l'autre grosse tâche. Et bien sûr, comme c'est Nina qui doit lui parler, je dois voir Nina, je suis certain. Un coup de main, monsieur. Un coffre pour Dieu. C'est Dieu. Ils m'aident pas. Ils incapables. Même le jeu sait même pas où je dois aller, il est confus. Bordel. Je devrais aller dehors, casser la gueule à des gens pour savoir un peu comment les créatures qui habitent ce désert. Bon, en place car. On va le faire. Première exclamation. Battle. Ah, attaque. What the? What you? Voilà, celui-ci. Je pourrais pêcher, mais plus tard. Alors. Une créature mystérieuse de temps. Pourquoi je suis en position normale? Je suis en position attaque, moi, avant. Ils m'ont tous switché. Les chauves-souris vampires. Ils n'ont pas l'air si chiants. Ouais, quelle était la chance qu'elle puisse toucher? Mais tout le monde rate, ils sont des inaptes. 16 points de dégâts pour une chauve-souris, la con. Non, vampire. Ouais. Peu importe. La vengeance est mortelle. Oh, t'es un meurtrier, Ryu. Des baies. Des fruits défendus. De trouver de l'esprit. C'est ce qui me manque en jouant à ce jeu. Prochain combat, ça va être quoi? C'est marrant qu'on est dans le désert et on a un terrain de combat de type... Waouh, y a une putain de... d'armée. Ok, c'est notre typhon. Avec du cul, on pourra flinguer ce gros sac. Homme lézard. Ah, peut-être. Il est vachement gros, mais pas grave. Double coup. Ouais, tu es puissant. Tu peux taper très fort. C'est rapide, le saloperie. Ok, ça protège. Pourquoi pas? Foiré! Est-ce suffisant pour les vaincre? Ok, ça s'est fait à moi. Finis-le! Oh, il pique, salaud! Tes dégâts sont ridicules, Ryu! T'entraînais plus! Coup de base devrait suffire pour terrasser cette créature. Succombe au pixel de glace. Ah bah actuellement ça marche en plus. L'expérience c'est pas dégueulasse mais la douleur est réelle. La pain. Ouh c'est vrai, t'as Nao Momo aussi. Pourrait servir si seulement j'avais... C'est délicatesse de m'en souvenir. Ok, bon bah ça a pas l'air trop chiant. Un mix de créatures anciennes et des récentes. Oh putain, j'ai une mise à jour Steam! Pas maintenant Steam, j'ai pas le temps! Oui, c'est la musique bug, c'est Steam, c'est bon. Bon, allons trouver le gros sac. Ouais, ce qu'on va faire surtout. C'est pas nos oignons, pourquoi on va faire cette merde, je comprends pas. Alors. Il aurait plus classe s'il allait pas sa lunette sur la gueule, j'en suis sûr.
Il a l'air surpris. Ouais. Tu fais chier, pas envie de t'entraîner, c'est le chien. Ou alors faire sa quête là avant, aller sur l'île, après obtenir, je sais pas, quelques passes à la con pour traverser l'autre endroit et l'endroit avec la lave. Ouais, c'est, je vois que c'est impossible de toute manière donc. Disons un peu. Ça pourrait être intéressant, mais. J'imagine que non. En parler ailleurs. C'est une bonne amie. Faudra pas gober ça. Merci pour mettre une caméra aussi dégueulasse que ça dans cet anglais. On sait même pas à qui on parle. Donc on voit. Merci, le jeu. Ah, mais écoute, eh. Oui, quelqu'un de fort. C'est qu'il y a un guide pour l'entraîner correctement, sans trop se faire chier. Mais moi, le guide, je le vois après, pour savoir ce que j'ai raté dans le jeu, intéressant. Me voir avant, ce serait juste du spoil et faire un jeu d'avance. Le résultat ne m'intéresse pas. Ne baisse pas les bras. Parce que j'ai une arme pour lui aussi, bien sûr. J'ai peut-être tout vendu, moi, je crois que oui. Ah, fuck! Ça coûte 2K pour acheter une de ces épées croissant de lune. Ouais, Ryu, t'as vu. Vu ce qu'on a fait, Ryu? Partage mon ambition. Ça se voit à ta gueule que tu es faible. Il doit se baisser tout seul, j'imagine. Je crois que s'il nous attaque. Ah, je sais plus comment ça marche. S'il nous attaque, il améliore sa puissance. Si on se défend, on améliore. Non. Si on l'attaque, on améliore sa défense. Si on le soigne, on améliore ses points de vie. Je suis pas sûr de ça. Oh là! Ziggs, il tripote! Non, Ziggs, je passe en public, je stream moi! Je me sens généreux, foiré. Réparer le phare? Je crois que c'est rien de plus qu'il faut réparer, faut appuyer sur deux boutons et c'est bon, si j'ai même bonne mémoire. Attaque, trou de balle! Moi, attaque le singe au moins! Le singe passe sans défense! Même le singe de Indiana Jones est inutile! Je crois, ouais, inutile. En plus, il le mange, on ne sait plus lequel. C'est pas le même, j'imagine, mais. Des fantafomes! D'accord, donc merci. Donc ouais, si on l'attaque, il augmente, on augmente ses points de vie. S'il nous attaque, il augmente son attaque. Et quand il est presque mort, apparemment il se défend. Enfin, apparemment, je suis sûr que Monsieur Orcide est certain. Enfin, il a fait ce jeu, il est plus fort que moi, il me domine totalement. Ouais, peu importe, un jour serait peut-être aussi fort que lui à ce jeu, je suis sûr. Donc, s'il se défend, vous l'attaquez, et là sa défense augmente. Mais lui, ses chances de crever, du coup, augmente aussi. Donc si... Je crois que ça dure combien de temps? Un round pour l'entraîner? C'est pas 20! J'ai le chiffre 20 en tête! C'est juste dans ce jeu! C'est possible! Si c'est 20 tours! Faut essayer de faire ça à la fin! Du coup, le heal, quand on voit qu'il est blessé, qu'il se défend, c'est pour ça! D'accord, donc il nous suffit de l'argent! On va s'acheter les prostituées! Il nous faut une armure pour ce trou de balle! Bon, pas trop lourd, hein, bien sûr. C'est à peine s'il avait pas de sa propre confiance. Ha! Encore frais, c'est pas une raison. Des jeux que j'ai... Dernier jeu que j'ai fait, c'était Star Ocean. Et le numéro 2, The Second Story. Et ce jeu était très très bon. Mais j'ai beaucoup galéré dessus, quand même. Malgré le fait que j'ai quelques souvenirs.
J'avoue que c'était très très flou, mais... Justement, quand c'est frais, c'est meilleur, parce qu'on sait ce qu'on dit. On sait que, hey, ça marche comme ça, et juste au-dessus de plante. Bah, c'est la foirée. Arme, c'est lui. C'est vrai, je pourrais mettre cette guenon en première ligne pour qu'elle prenne plus de dégâts. Après, je ne sais pas si c'est proportionnel par rapport au dégâts qu'il inflige. S'il attaque par exemple à 10 points de dégâts, que sa force augmente de 10, ou alors est-ce que c'est parce que il attaque une fois, c'est considéré comme un attaque, du coup ça augmente de 1. Je ne sais pas. Pas bon, on va faire comme on peut. Ce village est pourri, il m'a filé 1000 gold pour l'acheter une épée. Je me dis, une arme. Par contre, qu'est-ce qu'il peut utiliser lui comme épée? Une épée, une lance, un bâton, une griffe? Je n'en sais foutrement rien. Donc, je sais pas ce qu'on peut lui acheter. Alors, je crois que je vais avoir creusé dans mes thunes pour lui payer une arme utile au moins, qu'il puisse mettre des bonnes tartes dans la gueule. Plastron, c'est lourd ça. On n'a pas le choix de ça. On n'a pas le choix, mon gars, ça va être plastron. Acheter. Quoique. Montant de dégâts que ça inflige. Ok. Bah, du coup, je vais prendre l'épée lune pour mon Ryu. Et je vais filer ma claymore. Comme ça, mon gros sera plus rapide. Pourquoi pas. Ouais, on va faire ça, changer de l'argent. Si bien, je fermerai hors screen. Pas de soucis, hein. Je pense pas que l'argent soit un réel souci dans le jeu, mais. Ouais, équipe. La claymore, on filera ça à ce type. Oh merde! Oh bah c'est bien, ça va ça parce que. Bon, commençons l'entraînement. Mouah! D'accord. D'accord. Je vais lui filer. Un plastron. Ouais, ça va suffire. Il m'a dit armé, il m'a pas dit armé. Est-ce qu'on peut prendre tout ce qui est gants ou bouclier aussi? On ne pense pas. À mon avis, c'est limité, je pense, à armes, armure et basta. Au pire, je verrai. Je dois avoir du stuff de côté. Voyons voir ça. Arme. Qui est mort. Bouclier en bronze. J'ai un bouclier et un casque au cas où, donc c'est pas trop dégueulasse encore. Ils sont pas tout pourris, donc. Tout pourri ce casque. Alors, allons faire plaisir à ce type. Ouah, donc je dois attaquer avec... Avec Nina, du coup. Parce que si Momo attaque, il va prendre cher aussi. Momo a un gros DPS, même si jamais elle rate plus ses coups qu'elle touche, mais... Épée armure, ouais. Je me dis bien que c'est pas assez limité. Donc je vais faire une bague et compagnie pour dire « Hey, tu es plus puissant que moi !» Ce qui pourrait arriver. Ouh, d'ailleurs... Je crois qu'il me semble qu'on peut crever si nous tabasse la gueule assez fort. On peut se mourir exprès aussi, mais je vois pas l'intérêt à part être sodomite et masochiste. J'ai l'équipement. Même que Ryu. C'est vrai, il le dit maintenant. J'ai pas lu parce que ce qu'il dit, je n'ai rien à foutre, mais. Prêt à t'entraîner. Bon, est-ce qu'il m'a dit. Est-ce qu'il utilise le même que Ryu? Ou au final, il faut lui enfiler un. S'il utilise le même que Ryu, j'ai fait une connerie. Non, c'est pas grave, de toute façon il me filera après son stuff. Sinon je le tue. Je le tue. Cette nuit, que se passe-t-il? Oh, c'est vrai, l'entraînement. Protection. Oh, c'est vrai, je peux me buffer défense, niveau buff. J'oublie ça, généralement les combats j'ai fini le plus vite possible. Sinon, je prends cher pour les boss encore éventuellement. C'est possible si le boss n'utilise pas un sanctuaire pour virer mes buffs. Ce qui... Il y a un boss qui l'a fait beaucoup, je crois. Je m'en souviens où est-ce qu'il est dans le monde. Ouais. Ok. Ouais, je pense qu'au début, je vais le laisser gagner beaucoup de puissance, histoire que plus tard, ça augmente au fur et à mesure. Et après, je vais attaquer Nina justement. Enfin, je vais attaquer la Nina pour qu'il puisse prendre le coup dans la gueule, améliorer les points de vie un petit peu, et que lui me bourrille la gueule. Et ça devrait le faire. Ah,
Là, un coup de chat pour moi. Ok. Oh, t'as une puissance de dieu pour l'armure aussi, parce que... Ouais. Bon, bah. Oh, quel vaillant guerrier! Ah, faisons une safe state pour gagner du temps. Allons-y, crétin! Comment on fait? Non, c'est bon. Je vois comment ça marche maintenant, donc. Bien m'attraper! Non. Marche pas comme ça, mon gars. Alors. Oh putain, la partie s'est mise encore en normal. Je l'ai mis en. En autre truc. Pas grave. On va faire avec. On va buffer avec la barrière protectrice. Est-ce que je peux le voler? Ce serait drôle que je puisse le voler son épée. Ce serait drôle, mais je pense pas que ça arrive. Je pourrais l'aveugler, mais ce serait stupide. Ouais, ça. Oh, c'est pour toi qu'il l'a, Nomo, c'est. Oh, c'est pas grave. Ah, c'est à eux qu'il y a bouclier. On l'a pas. Les polygones. La défense ultime. Oh, je... Oh oui, on voit sa biche qui descend. À vue d'œil. Cet ennemi est pas très puissant, hein. Se défense, on va le tuer en un coup. Un point de dégâts au garbage. Tu crains. On se défend, les enfants. On se protège. Oh, si tu fais un critique, tu le tues, Luna. J'espère que mes camarades ne vont pas contre-attaquer. Ce serait la malheur. Attention, on heal. Ouais. On va même d'ailleurs attendre un tour avec Luna pour être sûr que. Il meurt pas. Un bon critique, à mon avis, c'est terminé. Oh, c'est vrai. On peut buffer les adversaires aussi. Faut utiliser les avantages. Oh, sien. Toi, t'as rien, toi. Où est-ce que c'est? Maman! Autant protection! Voilà, c'est vrai. On va le buffer à mort. Je sais pas s'il y a un montant maximum de buff. Du moins, ils sont pas écrits. Dans comment ça marche? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 8? On tape à 5 maintenant. Si on DPS plus, ce serait parfait. Non, la vengeance. Ryu ne le tue pas. Ne le tue pas, Ryu. C'est un allié, presque. Encore 2, je pense, devra suffire à tanker. Ça fait 3 buffs. Il devrait être costaud pour... Tant qu'un maximum. Un point. Ça m'a l'air parfait, ça. Non, mais c'est des bons conseils. C'est vrai. C'est vrai. On pense rarement à buffer l'adversaire. C'est vrai, je l'avoue, mais... Maintenant, ça a du sens. Ok. Alors, on va... Je vais heal avant. Juste parce que ce con... Il pourrait crever de la main de Ryu. Chutac, moment en priorité. Il pourra y rester. Donc, au moins là, les full heal. On peut se lâcher, les gens, les enfants. Ouh, il esquive en plus. Saloperie, il vient déjà plus fort que moi. Ah non, je tape à 0, c'est pour ça. Peut-être pas en faire trop, du coup, aussi. On verra. Ah, critique. Attention, les enfants. Oh, on va le tuer. On va le tuer. Tu es faible, guerrier. Rate, Ryu.
Oh putain, deux critiques de suite! Ça m'arrive jamais en combat! Pourquoi ça marche ici, pauvre teubé? Oh. Quels sont les résultats? Dommage subi. Max PV 7, 2 en force. Mais faible. Malheureusement, j'ai aucun buff pour améliorer cette puissance, donc c'était une soirée dégueulasse. Mais putain, faire deux crits de suite! Quelles étaient mes chances? Zéro, bien sûr, ma chance légendaire! Me rattraper, forcément. Ce con est mort! It's kind of garbage, but. C'est mieux qu'avant. Still better. Mm-hmm. Ok. Tomorrow night, hein? Ah. On pourrait essayer aussi maintenant. You pussy, you're garbage, I'm getting tired. Ooh. Yeah, this boss is, if I remember correctly, is pretty, pretty hard. It's a strong one. Ouais, it's a dick, indeed. Let's check. On va voir. Beuvrir. Repair. Yeah, maybe. You could also go in this town and get one of those, you know, infusion for the fire resist. It can help, maybe. Go, Bade! Attack! And destroy! I tried to give advice, but maybe. Yep. Ice crisp is a good weapon, but and also dragon, frost dragon, frost breath or frost claw. Depend if you want AOE or just single target. Okay, let's see the epic battle with between two stupid. What the? Reaper cut! Ooh, pick force, con! What the? The power! Impossible! Lucky bastard! Oh no! I hate you! Il a perdu! Of course! Onze points de défense, 6 points... What? 6 points en force pour 400 points de dégâts infligés? J'ai eu plus en arrière infligé 100 points de dégâts? C'est bizarre. Je suis sûr que tout à l'heure j'étais à un coup de le tuer, cet enfoiré. Mais m'a crit tellement de fois à la suite. C'était bizarre, faut l'avouer. Victory! For the Forsaken.
C'est un mystère et pourtant, nous avons vaincu! I don't care. Let me face the boss. Dompté, comment ça? Tu as dominé, hein, fétichiste, hein. C'est certain. Maintenant, rends mon épée. Tu fais chier à l'acheter. That's so beautiful. Le singe parle normalement. Surprenant, ce monde est plein de mystères. Ok. Here we go again. Donc, Forlok Natal. Ah, où est sa maison à ce con pour les objets? La maison à ce con. Ah bah ils sont là ces objets. No problem. Waste of time. Let me do it. Give me the treasure. It's dangerous to go alone. Take this. This is the mighty Gillian sign. Okay. So. Épée 2. Lumière et la camaille. Ouh, fire. Ah. I use it right now, but I don't like elemental weapon. Armes élémentales, ça me dit bien quand ça marche. Nope, ok. Direction le phare, enfin. Over here, of course. You shall not pass. Ah. Ouais, ça le problème, c'est que généralement, on peut pas changer les armes directement dans le combat. Faut changer avant, mais qu'on n'est pas au courant des faiblesses de l'adversaire. Comment vous pouvez changer avant en prédiction? Évidemment, c'est une logique. Mais parfois, la logique ne marche pas dans tous les jeux. Il y a des... Hein, c'est jamais. Il y a des jeux où parfois vous pouvez tuer un golem de feu avec une boule de feu. C'est con, mais ça peut arriver. Donc, c'est vrai que c'est pas RP du tout, donc... Il y a des combats ici. Ok, je pensais que le fer était... Oh, c'est... Des bombes. On peut. J'ai essayé, je voyais pas le stuff dans l'inventaire. C'est bizarre. Ouais. Combat à la con, créateur qu'on a vu avant, donc pas trop de... URSS, ils attaquent. Puissant. Ok.
No! Not the light! Oh, t'attaques! Ok. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je vais voir là, parce que je suis curieux, mais... Nope, dead end. Que j'avais essayé sur le boss mutant, l'oignon, pour mettre l'arme de feu de Momo, et j'ai pas réussi. Je me suis dit, on pouvait pas. Oh, vampire, voyons voir, si je vais dans... Arme. Oh, parce que c'est... Nina qui a pas équipé ça. Peut-être. Voyons voir. Non, vous voyez? Non, je suis dans arme. Ouais, il me semble. Yeah, of course, Momo. The section. Ouh, fire is great. Ok. Oh, box. And I can't see it. Nope. Ok. Shit. Merde, en haut ou en bas? Confusion. Ouh, spirit. Hein? Fire, maybe? Oh! Light! Sur l'onglet équipement! Et c'est ça, je l'ai vu! Sinon, j'ai pas vu sinon. Ouh, y'a un coffre en haut! Une pièce, encore pour... On peut descendre par là, on dirait. Non, papa. J'ai essayé de changer de stuff là à l'instant dans le jeu, mais j'ai pas trouvé. J'ai pas réussi. Ouais, si je vais dans équipement, dans armes. Voilà, je suis loin, mais c'est grisé. Oh, d'accord. Ok. Il faut bien que c'est planqué. D'accord, merci beaucoup. Ça m'aidera si je tombe sur un mec qui régénère avec mon arme, par exemple. Ce serait con, mais... Ah, il planque les choses. Il les montre même pas. C'est relativement chiant, je dirais. Ah, bien vu. Ça me semblait pas... évident à trouver. Mais pourtant, ça me semblait évident, en tant que joueur, de me dire qu'il y avait cette option-là pour pouvoir faire ça. Non, je vais laisser Ryu son énergie pour un éventuel boss. Si jamais. Je vois que le héros. Oh. Redescendre. Ok, bon. Je sais qu'il y a un boss dans ce niveau quand on monte un espèce d'escalier. Oh. L'éclair est chiant, je sais qu'il buff les adversaires aussi. Est-ce qu'il y a besoin ici? Pas sûr. La foudre? Non. Ça devrait suffire ça. Oh! Sleep! Ha! None! Et voilà! La
c'est bien foutu, ça. Bon, j'ai du cul pour le sommeil, mais bon. Mis à part ça... Ah! I see your chest! Armor? Helm? Oh! Slow! Ah. Il est déjà lent, je veux dire que ça pue lent, pas grand chose. Ouais, pas très dangereux, ça va quoi. Oh, j'ai rien dit! Ça peut être méchant. Typhoon! Ok. Ah, c'est plein d'AO cette merde. Que de la foudre. Ah! Oh, c'est pas grave. Au moins, je prends aucun dégât. Pathétique dégât, mais ça suffit. Ok, alors. Oh, nope. Useless. Ok. Let's go top then. Not the bats. Not the bees. Ah, là. Too much dodges. Aha. Ah, lost a level, but it's okay. I see ya. What is that again? Je me souviens pas cet objet. Whoops. Ah, too fast, too furious. Ooh, nice for me that. Ok, c'est bon ça. Ah. What now? Really? J'aime le combat comme ça. Bon bah. Allons-y. Meh, I'm sure it's alright. No, it's alright! Left, up, right, let's go left. Ouh, je m'en souviens de cette musique. What? Typhoon! Oh! Ça fait mal, sûr. It's good.
Alors. Oh, this is big. Oh. Ok. On met skill. Il y a un levier au bout. Oh. Should be easy. Non, it should be easy. That's... Hot Barry. Elles sont longues, ces animations. Oh. Avenge me, Nina. Wake up, you. Yep, it's perfect. Oh, okay. Shuriken. Not so bad. Could be. Moi, Momo, you fucked up again. Okay, are you? Ok, press it. Ok. Oh, encore un puzzle de merde. Oh, ça a l'air pourri. J'ai rien capté. Le calme plat. Soupape, chaudière. On va faire le tour complet, voir ce qu'on peut activer comme truc. Ouh, ah, ça va être typhonné ça. Sauf si on dort. Si on dort, c'est la merde, mais... Non, Nina. Mais pas assez rapide encore. Je pourrais aller faire du stuff pour cette zone-là. Ce serait intéressant. Oh, shit. On va prendre cher. Comment on peut esquiver en étant endormi? On ne prendrait jamais ça, mais... Oh! Oh oh! What? Where's the wake up? Let's run! Run! Ouh! Avec moi, je suis censé vous réveiller quand il vous touche. Et ça m'arrive que dalle. Je piche pas là sur le coup. J'avoue que. On se réveille. At last. On va crever sûrement, mais. Yeah, I knew it. Bad luck. Oh come on! You can't be serious, man. What? Et que ça moi comme truc? N'est que deux. On va passer les courses moi. Un point de vie réapparaît ce con. Au moins il aura pas la pénalité de vie en moins, c'est déjà ça. Bah comment creuser les points d'énergie en un instant. Y'a quoi par là?
Sorti. Oh, ok, ici. What the? À quoi ça, cette merde? Les trois! C'est une arme! Enfin, un objet en plus! Enfin, je pense, oui, c'est une arme! Oh! Run away! C'est quoi ça? Ouh! Can't sleep, maybe? Oh! This is good. I take it. Wait, should... Oh, Nina! Voilà. Encore un. I have no idea. Oh! Pourquoi il peut attaquer avant moi? Tu as acheté plus de bouffe. Nope. T'as un boss là? Ça me dit un truc hein. Non, une imagination peut-être. Ok, cyclone. Bon, à quoi sert ce puzzle? Oh, pour allumer le phare. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas comment ça fonctionne. Ça va l'air extrêmement chiant. Je me souviens en ce moment que je n'étais vraiment un chien, c'était une époque. Always forward. Oh! No! It is mine! Oh! Un spectre! Good. The vortex. Ah! No. Precious. Oh. This is troublesome. Magic. Nope. Oh, nice XP. Ah. Nope. Ouais. As-tu obtenu Eldritch? Oh. Huh. Ouais, bien sûr, ça marche comme ça, et on ne sait pas comment activer cette horreur. Une horreur... J'aurais dû acheter la bague au... Ah non, on peut pas l'acheter. Il y avait un endroit au début du jeu où vous pouvez échanger différents poissons pour une bague, afin de...
afin de, comment dire, réduire les chances de tomber sur les adversaires. Ce qui m'aurait servi, mais on peut pas, on n'a pas encore accès au poisson. Donc, on aurait peut-être dû voir avant, mais... One! Oh non! C'est chiant! Ouais. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Mana, I must. Keep the mana. Mais il faut des poissons spéciaux aussi pour le prendre. Pour ça qu'on n'a pas encore au début. Mais maintenant que j'y pense, que je les ai maintenant, parce que j'étais plus loin. Donc dans ces cas-là, ouais. Oh. I learned something. Ooh, lightning. Okay. Wait a second. comment faire dans cette zone du coup? Je suis coincé, enfin, pas coincé, je ne sais pas. Où je dois appuyer? Qu'est-ce que je dois faire? Je mets du mirage dans la machine. La soupape. Ah, I'm tired of these guys. Il y a rien pour régénérer sa mana en plus dans le jeu, ce qui est chiant. Ce serait surtout un gain de temps, parce que trouver le... C'est pas ici que je dois aller. Parce que trouver, je trouve au fur et à mesure, le cherchant comme un con. Mais après, c'est pas non plus pour vous faire perdre du temps, quoi. Comme ça, à mon avis, je sais pas quelle heure il est, mon PC. 5 heures. Ouais, ça fait environ 3 heures que je joue. Donc, pour pas grand chose au final. Donc, je vais bientôt couper pour faire mon montage compagnie. Et ça, j'aurais fait hors screen. Donc, minerai? Oui, de toute façon, c'est pas. On n'a pas le choix. On va mettre de toute manière. Maintenant. Ok, ça marche beaucoup. C'est éteinte. Ouais. Pourquoi? Relisons ça. Se stabilise. Pour l'instant, elle n'était pas du tout stabilisée. Donc. Oh, forcément attendre que... D'accord, donc il y a une variation avec la courbe. Il faut que je l'arrête au bon timing, c'est ça? On commence à zéro, c'est-à-dire qu'on commence à zéro au niveau du minerai. Au niveau de tout le reste aussi. Sinon c'est chiant. Je sais plus comment ça me fonctionne. Au milieu, au plus haut. Est-ce que ça a un truc à voir par rapport au mécanisme activé en haut et en bas? J'avais deux leviers également, bleu. Ça joue ou pas, ça joue pas? Que j'ai activé les deux. Ça se trouve, fallait pas y toucher. Tiens, je mets ça dedans, on n'a pas le choix. Ça a l'air tellement chiant que ça va faire ça hors screen pour gagner du temps. Comment c'est que l'énergie est arrivée à destination? Si je regarde les mécanismes qui est à côté. Ah d'accord.
Oh, je pense que c'est lié au truc qu'on voit sur le côté là. Avec les ronds qui est au milieu. Et sûrement lié à ça. S'il y a une flamme, j'imagine, c'est que c'est dirigé quelque part. Peut-être. Mais la printemps est ici. D'accord. Là, ça gagne du temps déjà. Et tout le monde dort parce que c'est des merdes. Non, bien sûr que non! Passons, fuir cette merde et c'est un long animation! Ah. Sans quoi on pouvait acheter des objets pour générer son énergie? Je m'en foutrais, mais on peut pas! C'est relou! Faut faire tout le donjon avec de la merde sans cliquer de skill pour pas gagner à la robosse, quoi! Je suis pas convaincu de ce système là. Ok, j'ai commencé. Ben voilà. Mais bon, vous étudiez. Bon. Attends, je dois activer la merde. Pourquoi c'est éteint? Non, peu importe, c'est bon. C'est bon, je sais. Faut activer l'énergie. Les combats aussi. Est-ce que je vais affronter les esprits? Ah. Ouais, vas-y. Alors, double silence, double tempête, genre de choses à la con. J'aurais dû étudier au final, mais j'essayais de trouver un timing par rapport soit au temps, par rapport à autre chose. Mais au final, non. Juste la barre qui touche vraiment le point culminant, le point du milieu en haut. Et elle le fait tous les 4 tours. Donc, si vous savez pas, maintenant que vous le savez, et vous ne galérez pas comme moi. Souffrance inimaginable. What the? Quel bon levier! Comment ça se fait? M'a pas prévu de ça! Les bons leviers. Oh, en haut! Ah, faut que je me renseigne avant! Voir qui active quoi! C'est vrai, tant que j'y pense, c'est directement là-dedans aussi. Voyons voir. Non, j'y arrive par ici. Je veux savoir où est-ce que ça mène si je mets ça ici. Ok, je venais bouger un vers le nord. Donc il amène par ici. Est-ce que c'est bon aussi? Dur à dire. Non, je veux réfléchir. Foutez-moi la paix, créature. Non, créature! La fuite impossible! Oh, le sommeil! La haine! Le tourment! S'empare de moi. Personne dort, mais le deuxième, il va me faire dodo, j'en suis sûr. Non, il me bute! Fuyons. Voilà. On manque plus sûr du deuxième coup. C'est moins pire. Des fois, fail. Y'a un truc qui mène tout en haut. Je me dis que c'est pas mal. Maintenant, où mène celui-ci? Je ne sais pas. Chauve-souris. Parfait. Typhon fera le café. Heureusement que j'ai appris cette magie là. Bon, j'aurais l'éclair, mais bon. Une vraie grande victoire, mon cul. La grande victoire, c'est ça que j'ai accompli en réussissant ce puzzle à la con. Ok, celui-ci. Où mène-t-il? Mène en bas, ça sert à rien, je pense. Donc, je. À mon avis, je vais réactiver, la mettre en haut. Est-ce de droite correct? Je présume. Laissons Simon sur les sacs. J'ai dû me gourer de choses. Je voulais attaquer Momo, j'ai apparemment j'attaquais avec. Enfin, j'ai lancé un sort, ce qui est stupide, ça sert absolument à rien.
la magie ignore la défense. Je vous le rappelle au cas où si vous avez oublié comment ça fonctionnait, la magie. Donc, dans ces cas-là, se mettre à poil, c'est intéressant. Maintenant que j'y pense, dans cette zone ici, il y a quoi qui est chiant en physique? Il y a rien, il y a que de la magie. J'aurais dû me mettre en à poil, enfin, en full léger, donc à poil. Ouais, ah peut-être dû, une erreur j'imagine d'abord. Ok, bon. On va voir si ça a activé ce qui... Ah, bah ça a activé ce que je vois. Un truc bizarre là. C'est le Bosch. Je me souviens. Il porte sur la gueule un testicule. Ouais. Non ? On l'attaque ? Non, apparemment c'est juste... les adversaires. Ils sont cachés. Ils sont deux, plus ce con. Ah, Ryu, pourquoi tu pions tout le temps ? Ah oh. Je veux fuir. Je dirais qu'en quand on pionce, on ne peut pas fuir. Ça fait plusieurs... Oh, quels ennemis. Ah, Momo, maintenant. Attaque Ryu, bordel. Pionce. Et je me réveille, je peux fuir maintenant. Puis-je fuir, s'il vous plaît? Finalement. Bizarre qu'il m'attaque pas la créature. Je vais le parler, peut-être qu'il faut causer ou je sais pas quoi. T'es caché qu'on la bute, ah, c'est sûr. Momo aussi, il régénère. C'est quoi? Bon bah ça bouge pas alors. Ouais. Bon bah c'est au retour hein. Est-ce que... What the? The balls. Je sais bien qu'il y avait un truc bizarre avec lui. C'est repoussant et moche. Plus couramment appelé, moche et repoussant. Tu vois qu'un truc cloche? J'ai pas l'impression, moi. Le combat contre le gazeur, le gaz. Ah, voilà. Pourquoi est-il vulnérable? Un mystère. Tentons un sort de feu, on verra comment il réagit à ça. Momo, que devras-tu faire, Momo? Protéger? Prédire? C'est bizarre, ce skill. Silence, sommeil, marchera pas. Va DPS normalement. Et Ryu va se transformer parce que. Je suis bon qu'à ça. Quoi prendre par contre? À quoi il est vulnérable? Je ne sais pas. Formation magique? Je ne sais pas, c'est compliqué. Bon, on prend un truc de base, hein. On prend le feu. Magie, ça pourrait marcher. Ryu pour l'instant plus intelligent que puissant. Faisons ça, on verra. Yeah. 72? C'est pas dégueulasse. Ouais, le feu peut être, je pense, hein. Le basket! Une AOE massive! Pas très puissante, mais... Ok, Lina. Ce coup-là est un coup physique. On devrait s'en tirer, je pense. Momo va... Ouais, DPS. Et moi, je vais... En AE. J'ai de la magie... de soin avec lui. Intéressant. Mais fais les griffes. Mono-cible.
Toujours. Ouais, tu l'aurais raté, ça aurait été bizarre quand même. Il est tellement gros. Ok, joue qu'au basket. Goûte les flammes. Ouh, c'est puissant. 200 points. Ah, j'ai vendu. On va heal. Donc, il y en a crève. Les griffes de flammes, on va dire ça pendant ceux qui crèvent. Ça devrait être suffisant, je pense. Il commence à prendre vie, mais il est imposant. Faut le détruire. Oh non! Oh, le laser! Le bim! What the? Un pouvoir monumental a déglingué Momo. De la ramener à la vie. Le Ryu, tu as une magie. Bon, ça a réanimé. Ça aide pas des masses, hein. J'aime pouvoir la reste, par contre. Jamais. Ok, Nina, tu vas l'utiliser. Oh, je pourrais pas. Comment faire, du coup? Je la reste, elle se prend une AOE avec Reb. Ah, dois-je tenter quand même? Dur à dire. Guérir les blessures animées, ça rase pas la vie. Ça m'aidera pas. Non. On va essayer en prenant qu'il fasse son laser sur un personnage de plus faible. Enfin, sur moi, par exemple. Il fait sa boule, on crève, sur son esquive. J'aurais pu attaquer actuellement. M'hypnotise ! Qui ça ? Sur moi ? Oh non ! J'ai résisté ? Semblerait que oui. Ok, utilise le Sangoulard. Sauve Momo ! Protection, bon, prend cher. Griffe ! Le combat aurait pu être plus simple sans ce putain de laser, QOS! C'est la magie! Ouais, mais après je sais pas quelle priorité a Ryu, vu qu'il est très très lent, le mien du moins. Donc c'est ce que j'ai pensé au niveau du soin. Ça a pu marcher du coup, il a attaqué avant, mais... Ok, on va faire ça, on va DPS, et je vais sonner avec Ryu pour que tout le monde soit... Non. On a l'avantage pour l'instant, j'en profite, si on avait buté, ce sera parfait. Bon bah, c'est fini. À part ce puissant laser, ça s'inspire, c'est bon ça. Bon bah, la créature était grosse, mais pas si chiante. J'aurais été full heal, j'aurais peut-être pu pas mourir avec le laser, mais j'ai un doute quand même. Waouh, aucun combat! Je suis plutôt chanceux! Il suffit de le dire pour que ça m'arrive, bien sûr. Bon. Maintenant, on peut se donner à cœur joie au niveau des PM. Finir au moins cet niveau, finir au moins ça. Me dire qu'après, il me reste le volcan! Demain soir, je stream pas demain soir, par contre, je stream samedi. Donc, occupera de ça samedi. Moi, je pourrais pêcher entre deux. Et puis, me renseigner sur la bague pour ignorer les combats. Ou l'inversement, pour avoir plus de combats, histoire de farmer si j'ai besoin de niveau. On peut allumer la lampe avec ce bouton. Bah, fais-le! Pour ce que je me suis fait chier à faire ça. Non, c'est bizarre parce que
Théoriquement, sur le stream, j'ai mis les configurations exprès pour que personne avec une connexion qui n'est pas non plus extraordinaire puisse justement. Ok, c'est quoi cette merde qui vient de passer? C'est passé quoi? Peuvent théoriquement ne bloquent pas. Je sais que généralement plusieurs streams peuvent justement, vous savez, bloquer parce que bah ça charge, ce genre de choses. Mais. Mais mes réglages à moi sont assez minimes pour justement laisser le. Comment dire? Pour étendre les viewers qui ça ne freeze pas. Si ça freeze, c'est que votre connexion n'est pas très très bonne. Excusez-moi de vous dire ça, c'est pas un reproche ou je m'amuse pas à dire ah le mien est plus mieux. C'est juste que c'est comme ça. Mais si ça arrive, c'est bizarre. Parce que j'ai pas beaucoup de bitrate justement. J'ai réduit beaucoup pour que ça n'arrive pas à moi et à plusieurs personnes d'autres qui en regardent. Donc ça me surprend que ça vous le fasse. D'accord, j'ai accès au monde des... Ok, bon bah maintenant on sait où on devait aller. En gros, on s'est fait chier à allumer ce cas pour rien. Ouh, bah d'accord, bah ceci explique cela. Donc, au final, j'ai pas... Enfin, si, d'ailleurs, j'ai mal jugé, mais j'essaie de trouver les raisons du pourquoi, du comment. Donc, maintenant, j'ai ma réponse. D'accord. Ouais, allons voir les faits. Je veux mon neveu. Utilise-le. Est-ce pour me téléporter? J'ai beaucoup pensé à ça. Un champ de fleurs. Merveilleux, magnifique. Rien de nouveau sur l'affichage. Oh. Cet endroit n'a pas l'air très très grand. Ok, une espèce de berge. Maintenant, où est le bateau? Parce que... Elle a peut-être niqué le matériel. Ça l'a pas été fait, la con. C'est fermé, on dirait qu'on peut passer, peut-être plus tard. Non, nous prenons la seule maison qu'on peut avoir accès. Maison en ruine d'ailleurs. Comment ça, l'autre côté du phare? J'ai beaucoup aimé aussi le 4. Le système était de combo qu'on pouvait faire avec différents skills. Et c'était plutôt bien pensé. Le souci par rapport à l'histoire, niveau protagoniste, j'en dirai pas plus pour pas spoiler d'éventuelles personnes qui voient s'intéresser à ce jeu, c'était intéressant. Ouais, j'ai différentes choses que je pourrais dire, qui sont bonnes à entendre, mais ça donnerait des idées par rapport à ce qui se passe, donc j'ai évité. Mais ouais, le système de combo était intéressant. Y'a quoi d'autre? Bonnes animations. Bah, le défi, il y a des créatures qui étaient relativement chiantes aussi à détruire. C'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Mais celui-ci, il m'a plus tapé dans l'œil. Il était peut-être plus en 2D que l'autre, mais... Je ne sais pas. La palette graphique, peut-être. La palette graphique était plutôt bonne. L'autre est différent, niveau graphisme. Donc, c'est moins attiré. Mais pour autant, ils étaient bons tous les deux. Merde, un boss sur la plage encore! Est-ce possible? Moi non plus. Je vais leur filer un coup de main. Est-ce que c'est ce que je pense? Je pense à un boss, mais... Est-ce que je me trompe entre le 3 ou le 4? On verra. C'est ce que je pense. Le scénario était pas dégueulasse avec les, entre guillemets, différents protagonistes. Les transformations étaient longues en animation, mais il y avait quoi comme une forme de dragon? Deux, je crois, à tout casser. Alors qu'est-ce qu'il y en a plein? Entre...
J'ai pas trop en parler, mais on en a vu déjà le petit dragon, dragon moyen, et il y en a aussi d'autres, donc bon, on va attendre. Web. C'est une créature de flotte. Je sens utiliser la foudre, j'imagine. Quelque chose arrive. De quoi il s'agit? Oh, il est dans de la mer. Ouais. Oh putain, Momo! Yes, ça! On pêche pas comme ça, Momo! Ça me fait marrer pour une raison qui m'ignore, qui m'échappe, mais. La référence est là. C'est un dauphin! On a tapé un dauphin! Bien vu, il est rose, il est bizarre, mais bon. Non, dauphin, c'est gentil, dauphin! C'est mignon, il nous sanglait, on dirait un donut! Des elfes, je crois que c'était des fées. Parce que les fées sont toutes elfiques. C'est possible, je ne sais pas. Je connais pas énormément de choses à ce niveau-là, mais. Bon, parfois un peu de. Oh, son regard a changé. C'est quoi ce langage? C'est avec vous prapiment comme ça, et oui! Hey, crash! C'est pas un bug, hein, c'est normal, j'imagine. Il crash! Au cas où, si on va pour l'écran, on se dit, voilà, ça a bugué! C'est fini, je rassure, au cas où. Ouais, c'est québécois. Le patois. Tu voulais recommencer en français? Non, tout le monde a compris que les Sioux étaient mimables et que celui-ci était parfaitement. Et voilà, c'est le monstre. Ouais. Il me semble qu'il y a aussi celui-ci dans Breath of Fire 4. Non? J'ai un doute. J'ai un gros, gros doute. Mais je. Quand j'y pense, maintenant je pense pas. Je pense qu'il était vraiment dans celui-ci. Que ça m'a marqué, le dauphin. Ah. Il est pas content. Ça cumule! Oh putain! Un Gundam! Non, j'ai fait qu'une fois aussi. Je ferai un jour, mais pas à la suite, pour faire une coupure entre les deux univers. Ce dauphin est un mecha Gundam. Licorne aussi, parce que voilà. On est comme mort, on est mort. Le combat contre le gentil dauphin qui s'avère être une pourriture. Voyons voir. Créature de flotte. Et si on la foudre, ça peut être bon ou mauvais. Mais peut-être bon. Est-ce que je me défends? Je pense que oui. On sait jamais. Je sais pas ce qu'il fait. Défendons la soigneuse. Si elle meurt, c'est la merde.
transformation en foudre, du coup. Magie. Avoir un dragon de soutien. Magie pourrait servir pour le soin si il y a un problème. On va faire ça. On va essayer. Mais c'est pas la foudre, c'est le feu. En tout cas, c'est pas la glace, je pense pas. À moins qu'on puisse. La glace puisse geler la flotte. Mais ce jeu est-il aussi compliqué que ça? Je ne sais pas. 84? Je pense que ça faiblesse, ouais. Ah! Bah pour qu'avec son dard! Nous sommes bleus, nous sommes puissants, nous sommes le foudre. Bon, moi je pense va. Ouais, je pense bien que la foudre soit très puissante là-dessus, quoi. Il y a raison! Ah, ouais, que peux-tu faire, toi? Mjolnir, une cible! Ou griffe tonnerre! J'ai la mana! On va commencer par Mjolnir! C'est pas la lance de Odin dans la mythologie nordique? Non, c'est autre chose, je crois. Mjolnir. Ouais. Mais je trouverai. Oui! Il pique sa gouin! Il me pourrait que son ange. Ouh, la grosse puissance foudre! Oh my god! 300 dégâts! Je sais que tu es intelligent, Ryu, mais à ce point-là, c'est. Ça va être un démontage de cul! Continue alors, continue! C'est... Lancer un skill, je le sens par contre. La vengeance! Tsunami, bien sûr. Marteau de Thor, ah, merci. What the puissance! Gunnir, oui. Voilà. Merci, merci. Je me repère. Alors, Nina, j'ai un objet pour sonner tout le monde. Le plural, prends-le. Ça peut être du gâchis, mais en l'occurrence, ça servira. Voilà. Bouffe le canon. Hein? Qu'est-ce que... De quoi cette merde? Je ne sais pas, mais... Ok, à présent c'est griffe. Sera suffisant. C'est possible. Subis la puissance du dragon. Non. Je voulais finir avec le dragon. Pas grave. Ben, c'est rien, 300 XP. Il est plus compliqué. Ah, je crois que... Une tête de poids. What? La terrasse à la bête. Où est mon objet? Augmente la volonté d'un joueur. C'est quoi la volonté? Intelligence? Je vois que ça. Force, défense, agilité. Ça doit être ça. Je me transforme sur Nina, parce que l'intelligence ne me sert pas grand chose, même si j'ai de la magie, en l'occurrence là ça m'a servi. Ah, non. Je sais pas où il est, du coup. C'est quoi, un objet? Non, pas la magie! Épée lune. Non. Non, c'est pas grave. Ouais, du coup, merci d'être passé. Bah, bonne nuit, du coup. Peut-être à un T4, on verra. Et, bah, de vos côtés aussi. Bonne chance pour votre prochain jeu. Prenons notre récompense, enfin pour intéresser cette evil créature des ténèbres. Oh, j'ai un bisou. Ouais, sans puissant, le bisou. Non, nous l'avons fait, vous n'avez rien fait, vous. Non, des amis. Génial, la puissance de l'amitié.
quoi cette merde? Un œuf de fée? Comment font-ils? La quoi la femme ici? D'accord, j'y penserai. Un repos gratos, toujours bon. C'est bon, on peut. Oui, je sais, revenez bientôt. Les cocons. Les vers! Ouais, bien dégueulasse. Pourquoi? C'est de manger! Ah, juste pour pêcher ici! Peut-être. On va aller voir. Je ne pense pas, mais. C'est une berge? Non? Non! Bon bah. Tirons-nous! Oh, mais que faire à présent? Je veux dire. On n'a pas. On n'a rien pour décrypter les glyphes des ruines. Oh, faut que le bateau revienne peut-être. C'est que dans le bateau, il y aura quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir déchiffrer les ruines. Ça doit être ça. Du coup, où est-ce? On va aller au quai. Voir si le bateau est arrivé, si les gens sont heureux. Est-ce que ces gens sont heureux? Je ne pense pas. Pas plus de monde qu'avant. Ouais. Alors elle arrivait en ville? Bah ok, non, c'est stupide. Let's go. Alors. Je vais reparler au vieux. Il était au. À moins qu'il lui sache, peut-être. Un vieux routard ou un vieux tétard? Vieux tétard, vieux con. Où est Lynn? Non. Ah, casse-toi, il y a un truc qui me bloque, c'est quoi un pigeon? Il est passé en dessous? Non. Putain, j'ai raté l'auberge, je suis vraiment nul. Oh putain, mais il est là! Comment j'ai pu rater cette chose? Parlons au patron. C'est le maître de la guilde. En tant qu'il a accès à ça, tu peux m'ouvrir le chemin. Peut-être. Ouais. Pour aller à l'est maintenant. Vraiment? Quoi? Oui, il faut ouvrir le passage. Ah. Bon. Où aller à présent? Le bateau n'est pas arrivé. Je pourrais essayer d'aller là-bas. Essayer. Ou parler ici au bateau là. Celui-ci là. Un autre à me dire? Non. Bon, alors. Ah, gros sac! Mais casse-toi! Donc, à présent, essayons d'aller de l'autre côté. Au cas où c'est débloqué, au cas où. Je ne pense pas, mais. À moins que j'ai eu le nouveau pouvoir.
de dragon. Donc maintenant, peut-être avec de la chance, je peux y aller. Peut-être. Des chiffres, Ryu. Oh. Shit. Bon bah. Moi, je vais te m'arrêter de toute façon, donc toujours pas. D'accord. Bon bah, maintenant on sait. C'est forcément par là-bas. Donc, sauf parler à la fille, sauf parler au gros loupard, sauf parler au mec qu'on a entraîné. C'est les seules choses qu'on peut faire. Ouais, les seules choses. Mais ça marche pas. Oh, je ferai ça, je ferai voir en screen comment ça se passe. C'est là clairement ce qu'on attend, c'est le bateau. Pour qu'éventuellement quelqu'un puisse traduire ces runes. Ok, alors. C'est tout? Bon, faut dormir ici peut-être, non? Quoi? Mais... c'est pas faux. Mais je lui parlais avant. S'il fallait parler avec lui avant de parler à l'autre. Ah, je sens que c'est ça. Je sens que c'est ça, ça. C'est de la merde. Comment j'ai pu oublier qu'au final, le marteau d'Odin c'était Mjolnir et la lance d'Odin c'était Gungir. Gungnir, ouais, difficile à dire. J'ai oublié. J'ai beaucoup joué. Enfin, je connais beaucoup Odin, mais Thor, je connais pas des masses, donc. Je veux passer. Fallait parler avant, vraiment, c'était vraiment. Oui, je sais. Je vais passer en dessous. Vraiment. Où est-ce que c'est? Juste une lettre? Vraiment? Ok, bon bah. Dieu, pour l'instant il m'a tué une fois. À l'est. Ok, bon, allons voir ça. Allons voir cette montagne. C'est comme Grandia, des montagnes et des plaines. En avant, guerrier. Ah, oh, sorti n'est pas ici. Oh, que c'est chiant, je vous l'assure. Dans le tour, je veux... c'est en haut. Voir au moins quoi on a à faire dans cette zone. On a à peine dans cette zone. Des ennemis, des mutants. Je suis bloqué, c'est par ici. Même eux sont bloqués là-bas, ils ont ce qu'ils foutent dans ce jeu. Heureusement qu'ils se téléportent, hein. Par contre, si je veux au volcan, mon arme de feu, je la vire, absolument. C'est la merde sinon. Par contre, l'arme de glace pour... Momo sera une grande aide. À l'est.
Quel bon réflexe! Y'a que dalle, elle se fout de ma gueule! La salle ouest, je sais, mais on sait jamais, elle peut être con! Oh, je suis bloqué par un pont! D'accord, alors que le pont est au-dessus, c'est pas grave, c'est pas grave. La 2D, c'est la magie! Y'a rien par ici, hein. Non! À mon avis, c'est par le même chemin qu'on a été. Par là donc, hein. Ok, voyons voir. À droite, du coup. Il y avait uniquement un coffre. Peut-être que. Ici. Je vais parler à ces gens-là. J'ai une lettre, apparemment un objet à utiliser pour apprendre des runes. Donc, à mon avis, fermé ici. J'ai un truc pour toi. Oh, vraiment. On passe maintenant. C'est magique. Ok, oh! On va peut-être aller à gauche avant, je suis pas sûr. Alors on monte. Ok, là la grotte. Là où je vais aller. Je vais voir ce qui se passe dehors, par l'intérieur. Oh, un combat. Oh merde, j'ai une épée de feu moi aussi. Faut que je gère ça. Un homme lézard! Ça peut le faire! Souffre, lézard! Crystallize! Oh! Esquive! Se venge! Se protège! Ryu est lent! Trop même! Oh! Défend tout le temps! Finish him. Ah bah, Momo au niveau. J'ai eu quoi? Oh, vitesse, ça pourrait aider sur Ryu parce qu'il est toujours à la bourre, c'est chiant. D'accord, donc nous voici dans la prochaine zone qu'on doit d'abord aller. Avec des lézards pour l'instant, bon. Ça a l'air assez chiant, mais. On va réussir à les vaincre, je pense. On est retour ici, ok, bon bah. Checkons la gauche. Rien. Rien. Et la lave. Ok. C'est parfait ça. T'as quoi à me dire? Secrète, la route meurtrière, tu veux dire? Attention, serpent aussi. Snake! Ok, moi je vais aller pêcher, vérifier différentes choses, et se dire à la prochaine pour voir justement ce donjon qui, apparemment, selon les personnes qui ont été ici, il y a un boss qui est très compliqué, donc on va voir si mes tripes sont à l'heure pour pouvoir se tirer d'affaire. C'est-à-dire, je vous dis à la prochaine et bonne journée, et ciao.